Voilà, salut tout le monde, c'est Max Le Fou en direct qui va faire son premier let's play. Et pour ce premier let's play, pour faire un petit peu à l'instar de notre Brian Gisborne National, j'ai décidé de prendre un jeu assez creepy sur les bords et le jeu qui m'est venu à l'esprit c'est Clock Tower sur Super NES qui est sorti à peu près en 1995 si je me plante pas. Bien avant les Resident Evil, Silent Hill et tout ça, et qui pourtant a quand même une bonne dose de creepy. C'est un jeu donc qui n'est jamais sorti en France et même pas aux États-Unis. C'est un jeu en fait qui est sorti qu'au Japon et qui a quand même eu son jeu, enfin sa version piratée avec les traductions. Ce qui est cette version-là à laquelle on va jouer maintenant. Donc c'est tout en anglais, mais je vais quand même vous traduire les textes. Vous en faites pas, il n'y en a pas des masses et c'est assez facile à suivre. Donc j'ai jamais vraiment joué à ce jeu, donc je vais le découvrir tout autant que vous. Tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu du style click and play, dans le genre LucasArts et tout ça. Enfin bon. Donc allez, c'est parti. Grandi dans la famille, dans l'orphelinat Granite, Jennifer et ses amis ont été adoptés. Cela arriva en septembre. Donc en gros, voilà, c'est l'histoire de 3-4 filles qui vivaient dans un orphelinat et qui ont été adoptées. Laura, dépêche-toi! Il faut arriver avant le coucher du soleil. Madame Marie? Oui? Et maintenant, dans quel genre d'endroit allons-nous vivre? C'est la 15e fois que tu me demandes. Ou 50e. Ne t'en fais pas. C'est un très chouette endroit. Ça doit être un petit peu marseillais. On est juste là, tu vois. Je vais faire l'accent marseillais, puisqu'elle a l'air un peu marseillaise. Genre, c'est la 50 fois qu'il me le dit. Je m'étonnerais qu'elle lui ait dit peut-être 50 fois, mais enfin bon. Ce bruit de vent est inquiétant, je ne dirais pas. Quel énorme endroit! Ouais! Le hall principal est gigantesque. Il faut que j'aille chercher Monsieur Barrows. Que tout le monde m'attende ici. Va, ma fille, va chercher Bonheur. Te presse pas surtout. Hein. J'avais vu quelques vidéos de présentation, mais c'est vrai que les persos avancent très lentement dans ce jeu. Faut s'y faire. Ah, voilà, ça y est, j'ai la main. Donc voilà, là, je dirige ce petit curseur. Donc, il suffit que j'appuie sur Y et ça me fait avancer le perso. Et pour l'instant, il n'y a que cette touche-là qui marche. Ah, apparemment, quand j'appuie sur L et R, on peut la faire avancer. Bon, voyons. Si je sélectionne et que je lui parle. Hé, Anne! Tu veux savoir quel genre de mec Monsieur Barrows est, n'est-ce pas? Oui. Bon, c'est tout. Bon, une table, elle dit rien. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelque chose ne va pas? Cette maison me met mal à l'aise. Ouais. Il y a quelque chose de malsain dans cette maison-là. Je doute que je vais m'habituer à cet endroit. Hé! L'hôte est devenu paranoïde. Paranoïde, oui, paranoïaque, c'est pareil. Alors, ok. Qu'est-ce qui est arrivé à Miss Marie? Hey, est-ce que tu peux retrouver Miss Marie? Bah, elle nous a dit d'attendre là, je sais pas si c'est une bonne idée.
Marie, elle prend beaucoup de temps. On devrait aller chercher Miss Marie. Non, je vais y aller moi-même. Oh. Bon, je vais la déplacer. Bon, il y a que... Oh là! Oh putain! Ouh! Le hall principal. Les filles! Allez, ce n'est pas drôle. Oh putain. Je sens le truc là déjà. Là, maintenant il fait noir. Toutes les filles ont disparu d'un seul coup. On dirait qu'il manque une table. Ah, je peux courir maintenant. C'est pratique ça. Elle peut courir à vous finalement. Alors. Fermé. Bon, la porte est fermée. On va prendre les escaliers. Sonia Roland rend visite à des orphelins qu'elle a aidé à sortir de la misère. En ton temps, mémé. Hein. Je sais vraiment pas s'il y a vraiment quelque chose ensemble. Oh putain! Oh putain, j'ai pas vu venir celle-là. Bon, bah. L'autre côté est trop loin. Ouais, bah, tu vas pas sauter, hein, tu t'appelles pas Mario. Hein. De toute façon, on peut pas sauter. Hein. De toute façon, tout ce qu'on peut faire, c'est avancer, utiliser le curseur. Bon, et là, je peux pas. Non, vraiment, je peux pas. Bon, ben, vu que j'ai pas le choix, on va redescendre. Hein. Et elle va de nouveau prendre trois plombs à redescendre. Voilà, elle est descendue, elle est contente. C'est parce que le destin de ces jeunes aurait pu être le sien. J'aurais pu y aller en courant depuis le début quand même, mais enfin bon. Mais Sonia Roland a eu un destin tout autre. Comédienne. C'est quand même pas mal fait, hein, pour l'époque de la Super NES, arriver à faire un jeu comme ça. D'ailleurs, ça m'étonne franchement qu'ils l'ont pas sorti en France, quoi, parce que... Non, franchement, il est bien ce jeu-là, quoi. Une princesse. Attends, on peut l'observer. Oh, elle peut grimper. Elle grimpe, ma fille. Une pile d'ordures. Et... Je ne m'ai même pas laissé le temps de lire, quoi. Bon, apparemment, il n'y avait rien d'intéressant de ce côté. Non, excusez-moi. Tiens, on peut observer la fenêtre. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à la fenêtre? Il fait noir dehors. Ouais, ça doit être la nuit, hein. Bon, encore une porte. Les lumières sont éteintes. Où est l'interrupteur? Il est là, du con. Je le vois d'ici, moi. Voilà, c'est mieux. J'aime pas du tout l'aspect de cette peinture. C'est bien creepy, hein. Il y a bien des... Il y a des trucs pas rassurants quand même qui valent là. Un sofa confortable. Ouais, c'est une table. Ça aussi, c'est. Oh, il y a une boîte là, il y a un truc intéressant peut-être là. Il y a une clé dedans. Moi j'ai ramassé un objet. Mais comment on trouve les objets là-dedans? Non, ça c'est la pose. Ah voilà, c'est ça les objets. Il faut maintenir le bouton A tout simplement. Donc un rocher.
Et le curseur, c'est tout. Vous voyez que dalle. Oh, la fenêtre, qu'est-ce qu'il y a? Il fait complètement noir dehors. Quelle heure est-il maintenant? Je me le demande, mais il doit faire bien tard. De toute façon, on n'a jamais vu de trucs creepy se passer le jour, de toute façon. C'est toujours mieux quand ça se... quand ça passe la nuit, de toute façon. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est bizarre. Ah! Ah! Tu fais quoi, là? Ouf. Eh ben voilà, game over dès le début, ça commence bien. Bon alors, je recommence à partir d'où alors du coup? Non mais c'est bon, là, allez, hop, continue. C'est bon, il m'a mémorisé là. Bon alors, pas toucher au miroir, hein, d'accord. Quelle est cette chose? D'accord, j'ai compris. Il y a que le lit du gauche n'a pas été utilisé. On dirait que... ça ressemble à une chambre. Là, il y a un piaf. Une cage à oiseaux. I kill you. I kill you. Je vais te tuer. Oh la ferme, le piaf. Alors, allez, tu vas pas te faire tuer par un piaf. Allez, essaie de te barrer. Voilà. Bon, voilà dans le couloir. Bon, ça, je suppose, c'est la porte de tout à l'heure. C'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit. Ça fait chploc, chploc. C'est la salle de bain, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? L'eau coule. Ce sera la vieille, elle est en train de prendre sa douche. Ouais, c'est malin ça. Elle sait qu'on l'attend et elle prend sa douche l'autre. Pourquoi je lui fais ouvrir le rideau? Je sens qu'il va y avoir un truc. Il y a un truc. Ah, ah. L'eau. Rat. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, ah, mais casse-toi! Casse-toi, casse-toi! Ah, mais il ouvre la porte vite, toi! Oh là là, vite! Oh putain, c'est tout ce truc! Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi! Putain, 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 fuck, 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 fuck. C'était quoi ça? Je sais pas où je suis, mais... il me suit toujours l'œuf taré, là, je l'entends pas. Semble bloqué. Aïe. Ah bah voilà, maintenant elle se pète la gueule toute seule. On est bien avancé. Bon, je sais où je suis. On se perd facilement là-dedans. Ah mais, tu peux pas la prendre cette porte. On va
Ah, d'accord, allez. Oh purée! Oh purée, je l'entends. Ah, il est par là! Oh putain, saloperie! Mais reste pas là! Bouge, 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 bouge! Ah, mais repousse-le, je sais pas, fais quelque chose! Ah là là, putain, putain de... Voilà! Allez, mais casse-toi maintenant! Oh putain, vite, casse-toi, casse-toi, casse-toi! C'est quoi ce truc? J'ai eu de la chance de m'en sortir, je sais pas pourquoi. Oh putain, et en plus, là je vous dis, en plus, là j'ai les écouteurs sur le casque avec la stéréo de la Super NES, je vous laisse imaginer un petit peu quoi. Dans le feu de l'action comme ça, putain, c'est un jeu qui est vachement bien foutu quand même pour l'époque. Hein. On croirait pas qu'une petite Super NES comme ça pourrait nous sortir un jeu dans ce genre là quoi. Où je suis parti parce que là. Ah, quel con. Il va arrêter de trébucher comme ça, comme une pause. C'est un téléphone que j'entends là. La porte est bloquée. Pas celle-là. Ah! Oh putain, il m'a suivi l'enfoiré! Oh de la merde, la merde, la merde, la merde! Fuck, 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 fuck! Et voilà, ah putain, je suis mort! Oh putain! Oh le merdier, quoi, le merdier! Bon bah, ça va être tout pour l'instant, hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de reprendre plus tard en essayant d'être un petit peu plus zen et en espérant de pas me faire courser par cette espèce de... Par cette espèce de Freddy au main d'argent, là, je sais pas quoi, là, qui me poursuit avec des ciseaux, là, franchement. Bon, bah, sur ce, je vous laisse et puis, bah, à la prochaine fois pour la suite de Clock Tower. Et on va espérer que... on va y arriver cette fois. Bonne nuit!